Ezio Auditore. C'est courageux de ta part de m'affronter seul. Courageux et stupide. Assassin. Ce trailer et les amis, c'est Mir du Gambiland, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour ma nouvelle version film des épisodes d'Assassin's Creed avec celui-ci, Brotherhood, capture en 4K à 60fps sans ATH, montage plus fidèle pour les fans de la série. J'ai notamment ajouté beaucoup d'éléments du présent ainsi que la quête optionnelle du sujet 16. Toujours plus de révélations qui font de ce montage film celui à retenir. Encore une fois, désolé mais pas de sous-titres étant donné que je travaille mes captures actuelles pour le gros projet Assassin's Creed que je vous parlerai prochainement dès que j'en aurai l'autorisation. A noter que le jeu est bourré de bugs et de clipping que j'ai édité et supprimé manuellement sur à peu près tous mes rushs, ce qui m'a donné énormément de taf en plus. Voilà une petite idée de tous les cuts effectués durant les cinématiques afin de nettoyer tout ça pour avoir un rendu le plus propre possible à vous proposer. Allez, fini la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous. Comment m'as-tu trouvé ? Mario Auditore m'a conduit ici. Rebecca, il y a un problème ? Je vais devoir lancer une analyse, je te tiens au courant. C'est fait. J'ai délivré mon message. Nous pouvons partir, tous autant que nous sommes. Nous ne pouvons rien faire. Quoi ? Qui est Desmond ? Je ne comprends rien. Ne partez pas ! J'ai tant de questions ! Thank you.
vaut mieux le confier à la Terre que le laisser aux hommes. Mario. Que veux-tu? Nous avions envoyé un homme se battre contre une armée. J'étais inquiet. Vite, grimpe! Ne restons pas ici. J'ai vu des choses vraiment fabuleuses, Mario. Tâche de rester en vie si tu veux me les raconter. On risque d'être attendu. Les Borgia, eux, risquent d'avoir de nombreux morts à pleurer ce soir. Che cosa fate qui? Assassini! Dieu vous punira pour vos crimes! Par votre seule présence, vous avez profané cet endroit sacré! Vous condamnez ce que vous ne comprenez pas! Nous devons partir, Ezio, vite! C'est le diable qui parle à travers lui! Il ne faut pas les approcher! As-tu été blessé par Rodrigo? À peine! Mon armure a atténué l'attaque. Mais contre détermination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu. Prépare-toi au combat. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, je te sauve la vie. Pas mal pour un vieil homme. C'est vrai, tu as encore de beaux restes. Buona questa. Excellent. Magnifique. Quelle adresse. Toi seul peux prendre cette décision, mais tu dois faire vite. Donne-la-moi. Tu prendras ta décision plus tard. Bene. Saute! Mineur va parler du soleil. D'une catastrophe qui s'est produite il y a longtemps, et d'une autre à venir. C'est censé arriver dans plusieurs siècles. Nous n'avons pas à nous en soucier. Non. Notre travail est terminé. N'est-ce pas mieux ainsi? Nous avons amélioré nos défenses en ton absence. Ah! Et vous avez pris l'habitude d'accueillir les visiteurs avec des boulets de canon? Je suis navré. Les canons ne sont là que depuis quelques jours. Mes hommes n'ont pas terminé leur entraînement. Soyez le bienvenu, Ezio. Ezio! Alors, Ezio! Je veux le voir! Bonjour! Salve, Mario! C'est bon de rentrer chez soi. Cet endroit ne cesse de prospérer. Grâce à toi. Mon frère! Claudia. C'est bon de rentrer. Comment va mère? Elle va bien. On m'avait prévenu de ton retour, mais j'étais impatiente de te voir. La comtesse de Forlì est venue t'accueillir. Je ne te savais pas aussi célèbre. Caterina? Ici? Est-ce enfin terminé? L'Espagnol est-il vraiment mort? Attendez-moi dans le bureau de Mario ce soir. Je vous expliquerai tout.
Je te préviens, Ezio. Ils voudront tout savoir. Buongiorno, Ezio. Caterina, que me vaut l'honneur de ta présence ici? Je suis venue solliciter ton appui. Les armées du pape marchent une nouvelle fois sur Forlì. Tes mercenaires pourraient nous être d'une aide précieuse? Je crois être en mesure d'honorer ta requête. Nous en parlerons plus tard. Mère! Machiavelli. C'est fait. Même si, je crois, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai pénétré dans le Vatican et affronté Rodrigo. Non ! Il a utilisé le pouvoir du bâton contre moi, mais je l'ai vaincu. En combinant le bâton et la pomme, je suis entré dans le sanctuaire. Et là, un tableau mouvant de la déesse Minerve m'a parlé. Elle a évoqué une terrible tragédie menaçant l'avenir de l'humanité, ainsi que des temples oubliés qui abriteraient notre salut à tous. Puis elle s'est adressée à un fantôme, Desmond, comme s'il avait été là, juste à côté de moi. Et puis elle s'est tue. Elle a disparu. C'est incroyable. Ça alors, j'ose à peine y croire. Le sanctuaire n'abritait pas l'arme terrible que nous redoutions. C'est une bonne chose. Parle-nous de la déesse Minerve. Avait-elle forme humaine? Oui, mais sa voix était céleste. Les siens ont péri il y a longtemps. Si seulement vous aviez vu les prodiges dont elle est capable. Qui est ce Desmond? Et où sont les temples que la déesse a évoqués? Je l'ignore. Nous devrions peut-être les chercher. Dis-nous comment Borgia est mort. Rodrigo a-t-il imploré ton pardon? S'est-il amendé? A-t-il cherché à te corrompre? Non. Rien de tout cela. Intéressant. Je suis vraiment surpris qu'il ait gardé son calme. Je l'ai laissé vivre. L'Espagnol est en vie? Quand tous nos ennemis seront vaincus, alors nous parlerons de dieux, de sanctuaires et de mondes oubliés. Tu aurais dû le tuer. Cette erreur nous coûtera cher. Je ne suis pas venu parler du passé. Ensemble, nous devons discuter de l'avenir. Non. Il faut que je parte pour Rome, séance tenante. Ezio, je ne sais pas pourquoi tu l'as épargné, mais je te fais confiance. Machiavelli changera d'avis. Bienvenue chez toi. Et si on recommençait? Il suffit de demander. Je ne voudrais pas te priver de ton libre arbitre. Chut. Qu'est-ce que c'est? Probablement quelques hommes qui s'entraînent. Vite! Je dois trouver Mario et rassembler nos troupes. Mes hommes sont dans la cour. Je vais les faire sortir et prendre l'ennemi à revers. Sois prudente.
Ce sont les Borgia. Et nous n'avons rien vu venir. Ils ont dû se rassembler à l'est pendant la nuit. Il faut les retenir le temps que les habitants évacuent. Tu peux compter sur moi. Utilise les canons en haut des remparts. J'en profiterai pour mener une attaque frontale. Tu l'as prise ? La pomme est en sécurité. Il faut empêcher les Borgia de pénétrer ces murs tant que les habitants n'auront pas évacué. Insieme per la vittoria. Insieme. Mario, sois prudent. Toi aussi. Mes enfants! Où sont mes enfants? Qu'est-ce qu'on va faire? Ma maman! Je trouve plus ma maman! Chargez le canon! Visez leur canon, signore! Des soldats escaladent les murs! Signore! Oubliez les canons! Il faut les arrêter! Je sais que tu es là, Ezio. Le pape m'a longuement parlé de toi, de ton petit groupe d'assassins, et de ceci. Apporte-moi l'arme que son ami a conçue. Cette tuerie n'a que trop duré. Je crois qu'il est grand temps d'y mettre un terme. Alors considère ceci comme une aimable invitation de ma famille. À la tienne! Basta. Je peux marcher. Attention! Ils arrivent! Tous avec moi! Repliez-vous vers la villa! Non, je n'y arriverai pas. Tous avec moi! Ezio! Je vais la voir. Voilà, c'est rapide! Réfugie-toi dans la crypte! Suis-moi! Je vais les retenir. Non! Attends-nous! Nous vous croyons morts, Ezio. Pas encore. Où conduit ce passage? Au nord, de l'autre côté des murs. J'avoue que je suis surpris.
J'y vais! Je dois aider les troupes! Et notre mère? Elle va bien? Je suis là, Ezio. Grazie a Dio. Nous ne pouvions pas partir sans toi. Nous courons un grave danger. Prends soin de mère. Où est Mario? N'était-il pas censé nous attendre? Les troupes de Borgia ont cerné la ville! Mario est mort. Vous devez partir d'ici. Conduis mère à Florence. Amenez-moi un cheval! Tu ne viens pas avec nous? Mais où iras-tu? À Rome. Va, mon fils. Élimine-les tous. Mais surtout, n'oublie jamais pour qui nous nous battons. J'arrive toujours pas à localiser la PDE d'Ezio. PDE? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Désolée, Desmond, la pomme d'Éden. Au Vatican, Minerve a dit qu'il fallait trouver les autres temples. C'est la seule et unique manière d'empêcher qu'une catastrophe ne frappe notre planète. C'est ça. Pour trouver ces temples, on va devoir mettre la main sur la pomme d'Éden qu'Ezio a trouvée. Je crois que le fragment s'est altéré au contact de Minerve. Attends, c'est la Villa Auditore? Eh ouais, c'est notre seul planque en Italie. Les Templiers continuent de surveiller les frontières. Ezio a caché la pomme d'Éden aux alentours de 1507. Mais quand j'essaie d'accéder à cette séquence ADN, on dirait qu'il se souvient d'autre chose. Un souvenir prisonnier d'un souvenir? Oui, c'est ça. Peut-être. Faudrait te décider. Tu avais déjà rencontré ce genre de problème chez Abstergo, non? Chez le sujet 15, un phénomène plus ou moins semblable s'est manifesté, mais elle était enceinte. Les souvenirs du père du fœtus entraient en conflit avec ceux de la mère. Desmond n'est pas enceinte. Non. Non, je crois que ça se saurait. Il s'est juste goinfré. Tu peux accéder à une séquence ultérieure? Non, c'est impossible. Ça me rappelle quelque chose. Les dernières mémoires d'Altaïr restaient inaccessibles si Desmond n'améliorait pas sa synchronisation. On a peut-être affaire à un problème similaire. L'agitation d'Ezio doit se répercuter sur Desmond et déstabiliser sa mémoire. À moins que Rebecca soit vraiment incompétente. Toi, ta gueule. Quoi? Eh bien, je cherche une explication, c'est tout. Et celle-ci me paraît la plus plausible. Malpoli. Cet endroit n'est pas sûr. Les murs ne les empêcheront pas de détecter nos portables. Avec des satellites de surveillance? Non mais tu déconnes, ça fait un bail qu'Abstergo se sert des antennes relais. Les ondes balayent tout au niveau du sol. C'est sûr, ils vont nous retrouver. Ça m'étonnerait. Allez, venez. Une poutre bloque le passage de l'autre côté. Non, on peut pas passer par là. Alors, on fait quoi? Il me semble que l'autoroute n'est pas très loin. Non, on peut pas rester là, ce serait trop risqué. Est-ce qu'on a des bâches? Il faudrait cacher le camion. Sans vouloir être alarmiste, on n'a pas vraiment le temps de discuter. Bah dans ce cas, t'as qu'à nous aider, Sean. T'as bien une idée, non? Je ne sais pas. Et si on cherchait un autre moyen d'entrer? Hé, hey, je crois que j'ai trouvé. Suis-moi. Desmond, c'était vraiment super. C'est venu tout seul. On peut entrer par là. Bien joué. Et puis nous, on va vous attendre ici, c'est ça, on va rester tout seul, prêt à se faire canarder à la première occasion. Courez! Sortez avant que les soldats ne vous attrapent! Correte! Allez!
Ils se sont enfuis par là. Qui ? Ezio et les villageois. Après l'attaque, je peux les voir. Je sais que c'est difficile, mais essaie de cloisonner ton esprit. Reste bien concentré. Et si mes visions ne cessent pas ? Bientôt, je vais me mettre à peindre les symboles sur les murs. Plaisante pas avec ça. 16 est mort. On se concentre sur le présent, d'accord ? Coincé. Génial. Je vais passer en dessous. Prêt. Tu ne pourrais pas soulever cette grille ? Si, mais j'ai envie de profiter de la vie encore un peu. J'ai plus qu'à faire le tour. Ce passage doit mener à la galerie qui est juste en dessous. Gare aux chauves-souris ! Où ça ? Non, je voulais juste te prévenir. Desmond ? Oh, encore des fantômes. Je suis là, d'accord ? Ezio ! Reste avec moi. Tu n'as pas été blessé ? Non. Est-ce que Mère va bien ? Desmond, on peut pas l'escalader. Et si tu me faisais la courte échelle ? Ça marchera pas. Je pourrais te propulser en l'air pour que tu agrippes la corniche ? N'importe quoi. Suis-moi. Accroche-toi. Qu'est-ce que tu... Bien joué. À ton service. Ces tunnels ne doivent pas être tout jeunes. Ils datent du Moyen-Âge. Heureusement, les poutres supportent notre poids. Ezio a dû revenir ici longtemps après l'attaque. Mais pourquoi ? Desmond ! Ok, ouvrons cette porte. Vous avez réussi ! Mon Dieu ! Eh bien, il était temps ! C'est quoi ? Un petit souvenir du passage d'Ezio. Et il y a des chiffres en dessous. 1419, 1420 et 1421. Faudrait peut-être que tu te reposes un peu. Non, c'est bon, ça va. Waouh, cet endroit a vraiment été construit pour durer. Il n'y a même pas une seule fissure et on capte aucun réseau. On sera en sécurité, on peut installer l'Animus ici. Ok, tout est en place. Le système a booté. Yes, on peut y aller. Ces nombres qu'on a vus, tu sais ce qu'ils signifient ? 1419, 1420, 1421... Ah, ça a sûrement un rapport avec la guerre de 100 ans. À moins que... Attendez, en 1419, le pape Martin V arrive à Florence. Oui, c'est ça. Il part pour Rome en 1420, quand Brunelleschi commence la construction du dôme. Et en 1421... En 1421... Désolé, il faut que je fasse des recherches. Qu'est-ce qu'on va faire pour Abstergo ? Je sais pas. Quand on aura trouvé la pomme, je contacterai les autres cellules basées en Europe. Mais en tout cas pour l'Italie, on est tout seul. La direction pourrait nous donner un coup de main ? Nos meilleurs agents essaient de découvrir le site d'où les Templiers lanceront leurs satellites. Nous avons suivi plusieurs pistes aux États-Unis, en Chine et aussi en Russie. Mais rien de concret pour le moment.
Calmez-vous. La douleur va passer. Mais où suis-je? Chez moi, Messere. Un homme vous a amené ici. A-t-il dit quelque chose? En effet. Vous devez retrouver un certain Messer Machiavelli devant l'entrée du mausolée d'Auguste. Laissez-moi vous aider. C'est l'homme qui m'a amené ici qui a laissé ses vêtements? Oui, Messere. Oui, ou plutôt ce qu'il en reste maintenant que les Borgia sont au pouvoir. Où est le mausolée? Malheureusement, on ne peut pas le voir d'ici. On ne le verrait pas mieux du haut de cette église? Si, mais il est interdit d'y monter. Ça ne sera pas un problème. Je te remercie sincèrement pour tout ce que tu as fait pour moi, bona donna. Addio. Voilà une curieuse. Mon doigt. Ezio, je suis surpris de te voir ici. Tu ne m'as pas fait demander? Mais non. La nouvelle de l'attaque de la villa a fait le tour de la cité. Nous étions persuadés que tu étais mort. Pas encore. Je me sens même très vivant. Les Borgia ne doivent en aucun cas découvrir que tu leur as échappé. Rodrigo s'est entouré de serpents et de meurtriers. Il a fait de sa propre fille, Lucrezia, l'une de ses armes les plus redoutables. Mais même elle fait bien pâle figure à côté de celui qui a commandité l'assaut de la villa. Son ambition, sa brutalité, sa cruauté dépassent l'entendement. Il se moque bien des lois des hommes. Il a assassiné son propre frère pour accaparer le pouvoir. Il ignore la peur et la fatigue. Ceux que son épée épargne s'empressent de le rejoindre. Les puissantes familles Orsini et Colonna ont été forcées de se prosterner à ses pieds. Et il compte le roi de France parmi ses alliés. Donne-moi son nom. Cesare, commandant des armées du pape. Que compte-t-il faire de ce pouvoir? Où puise-t-il sa force? Je n'ai pas encore de réponse. Mais Ezio, Cesare a des vues sur toute l'Italie. Et à l'allure où il progresse, celle-ci lui sera bientôt acquise. Est-ce de l'admiration que j'entends dans ta voix? Sa volonté fait loi. C'est une qualité plutôt rare par les temps qui courent. Ben trovato, Niccolo. Ah, Serezio, c'est un plaisir. Fabio Orsini, à votre service. Mon cousin, Bartolomeo d'Alviano, m'a très souvent parlé de vous. Un grand guerrier. Fabio nous permet d'utiliser un dépôt abandonné sur l'île Tibérine. Bien sûr, c'est moins confortable que votre villa de Toscane, mais... Ce sera parfait. Bene. Eh bien, je n'ai plus qu'à reprendre le chemin de la Romagne. Mes hommes obéissent encore à Cesare, mais bientôt, nous serons de nouveau libres. Et maintenant, Ezio, il va falloir que nous préparions notre attaque contre les Borgia. Oh, je trouve que tu vas un peu vite en besogne. Ah? Sais-tu, par exemple, où les Borgia ont emmené Caterina Sforza? Quoi? Ignorerais-tu également que les Borgia se sont emparés de la pomme d'Éden? Comment a-t-il pu nous échapper? Je vois, tu ignores ce que manigancent nos ennemis. Disposons-nous au moins d'un réseau de soutien? Pas vraiment. Nos mercenaires mènent une bataille désespérée contre les alliés français de Cesare. Nous avons infiltré une maison de passe fréquentée par des cardinaux et d'autres personnalités influentes de la ville. Mais la maîtresse des lieux est une idiote qui préfère prendre du bon temps plutôt que de soutenir notre cause. Et les voleurs de la cité? N'ont-ils pas une guilde? Si, mais malheureusement ils refusent de nous parler. J'en ignore la raison. Et où vas-tu comme ça? Me faire des amis. Sois le bienvenu à la rose fleurie, étranger. Salve. Auriez-vous l'obligeance d'appeler la maîtresse des lieux?
Madonna Solari s'est absentée. Et quand reviendra-t-elle? Je... Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Oh, Lucia! Nous pensions que tu étais morte! Ils nous ont emmenés sur un bateau! Ils m'ont relâchée, mais elle... Qui vous a emmenée? Des marchands d'esclaves, messere! Près de l'île Tibérine! Ils exigent une rançon ou ils la tueront! Je vais vous la ramener. T'es venu pour cette traînée? Aiuta, Demi! J'ai ton argent. Libère-la! Non! Adresse-toi à Cesare! Mère? Claudia? Ezio. Ser Machiavelli a dit que nous te trouverions ici. Pourquoi êtes-vous à Rome? Est-ce que Florence est assiégée? Non, en fait, je n'en sais rien. Nous ne sommes pas allés à Florence. Pourquoi? Ezio, nous voulons t'aider. Vous m'auriez rendu service en allant à Florence. Où est Madonna Solari? Elle est morte. Merda. Mais que faire? Est-ce que nous allons fermer? Certainement pas. J'ai besoin de vous. Messere, si personne ne gère nos affaires, c'est inévitable. Je vais le faire. Ta place n'est pas ici, Claudia. Je sais comment gérer une affaire. J'ai aidé Mario pendant des années. Ça n'a rien à voir. Quelle alternative se présente à toi, Ezio? Si tu fais ça, Claudia, tu te débrouilleras seule. Cela fait plus de 20 ans que je me débrouille seule. Soit. Je compte rénover l'établissement. Son état est déplorable. Et je veux que tes courtisanes trouvent Caterina Sforza. Nous ferons le nécessaire. Ezio Auditore! Entre, entre donc! Entre où je t'égorge! Bartolomeo! Attends, je vais te présenter ma femme! Pantasilea! Pantasilea! Où est-elle? As-tu regardé sous la table? Ah, la voilà! Enchanté de vous rencontrer. Moi aussi, vraiment. Bon, parlons de cette guerre. Oui, cette bataille contre les Français. Bene, mes hommes se défendent plutôt bien. Machiavelli m'a pourtant fait part de ses inquiétudes. Tu connais Machiavelli? Général, nous avons besoin de votre aide, ça ne peut pas attendre. Scusa, Temi. Passe-moi Bianca. Ezio, je vais aller droit au but. Ce conflit dégénère. Nos défenses s'étirent sur deux fronts. Les Borgia d'un côté, les Français de l'autre. Mais rien n'est perdu. La position des Borgia est faible. Si vous la faites tomber, nous pourrons concentrer nos forces sur les Français. Je sais comment vous aider. Merci pour ces informations, Madonna Dalviano. Aider mon mari est le plus important de mes devoirs. Ezio, grâce à nous, ces salmoviettes détalent comme des lapins. Oui, à nous. Les chiens du pape ont pris la fuite. Je vais donc pouvoir rameuter de nouvelles recrues. Mais il faut d'abord renforcer nos baraquements. Qui va s'en occuper? Je ne suis pas doué pour ces choses. C'est toi l'érudit, à toi d'approuver les plans. Va bene. Mais en retour, je veux que tu surveilles Cesare et Rodrigo. Tes hommes peuvent-ils garder un œil sur eux? Bien sûr. Ezio. La Volpe. Je suis surpris de te voir. Et que me vaut l'honneur de ta visite, dis-moi? Attends, je connais la réponse. Comme toujours. Je dirais que tu as besoin de mes espions. Tu dois m'aider. Aider Machiavelli? Sans façon. Cet homme n'est bon qu'à trahir notre ordre. Une sérieuse allégation venant d'un voleur. Tu as des preuves? Il a été ambassadeur à la cour du pape. Il a voyagé en tant qu'invité personnel de Cesare.
Je sais aussi qu'il t'a abandonné juste avant l'attaque de la villa. Machiavelli n'a pas que des qualités, mais c'est un assassin. Pas un traître. Je suis loin d'en être convaincu. Ah, il retrouve quelqu'un dans le Trastevere en ce moment même. Voudrais-tu m'y accompagner? Je te suis. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? À l'aide! Volpe! Mon fils Claudio est blessé! Ils vont lui tirer dessus! Je me charge de cela! Occupe-toi des autres! Claudio! Molte grazie, messere! Fais-toi oublier quelque temps. Intensi? On peut dire que la nuit a été agitée. Volpe, écoute-moi. Je sais ce que tu as vu. Mais tu n'as rien à craindre de Machiavelli. Je te le garantis. C'est grâce à ton courage si Claudio est en vie. Si tu es convaincu que Machiavelli nous est resté loyal, je te crois. Bien. Et tes voleurs? Nous pensions rénover ce vieux bâtiment, mais maintenant que nous sommes associés, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Si nous voulons berner les hommes des Borgia, camouflons-le en taverne. Ouais. Ton idée me plaît. Sois le bienvenu au Renard Assoupi. Cette auberge est parfaite. Personne ne se doutera de ce qu'il y a derrière ces murs. Le quartier général de la guilde. Tu peux me rendre visite à tout moment. Ah oui, j'oubliais. Les jeux d'argent. Une source conséquente de revenus, toujours alimentée par la grande malchance des gardes des Borgia. Encore une faveur. Je veux que tes espions trouvent la pomme. Elle n'est plus en ma possession. J'ai demandé à mes hommes de ratisser la ville. Molto bene. Rejoins-moi sur l'île Tibérine quand ce sera fait. Entendu. Machiavelli, j'ai hâte de parler. Oui. Un de mes informateurs a mis la main sur des renseignements précieux. Nous connaissons les noms de plusieurs Templiers que Cesare a recrutés pour semer la terreur dans Rome. Où puis-je les trouver? Je ne peux le dire avec précision. Sois bien à l'affût de tout comportement suspect. Tu croiseras peut-être des citoyens qui accepteront de te renseigner. Mon informateur va tenter de trouver d'autres noms. C'est un garde qui t'a donné cette information? Oui. Comment le sais-tu? Peu importe. Grazie. Claudia, Bartolomeo et la Volpe t'attendent à l'intérieur. J'aimerais savoir comment tu t'y es pris. Virtù, Machiavelli. Virtù? Qu'avez-vous découvert? Ce bastardo Cesare se trouve au château Saint-Ange avec le pape. Mes espions ont découvert que la pomme a été confiée à quelqu'un qui l'étudie. Mais je n'ai pas encore réussi à découvrir son identité. Catalina sera transférée à la prison du château la semaine prochaine. Bene. Alors nous irons au château. Rome retrouvera son vrai visage une fois débarrassée des Borgia. Si une occasion de les assassiner se présente, je n'hésiterai pas à la saisir. Ne commets pas la même erreur qu'au sanctuaire. Cette fois, tu dois les tuer. Je suis d'accord avec lui, Ezio. Il ne faut pas attendre. Bartolomeo a raison. Il faut venger la mort de Mario. Ne vous inquiétez pas. Tous périront. Vous avez ma parole. Je vous salue, citoyens de Rome. Profitez de ce glorieux spectacle. Caterina Sforza, la catin de Forlì, va enfin ramper à nos pieds. Ah ! Personne ne peut tomber plus bas que Lucrezia Borgia. Qui t'a poussé à faire ça? Ton frère ou ton père? Ou alors un peu les deux? Ils ne valent pas mieux l'un que l'autre. Vas-tu te taire? Personne ne dit du mal des Borgia. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent nous défier.
Bon peuple de Rome, gardez courage! Votre heure viendra, vous serez bientôt libre, je vous le jure! Ils vont la torturer. Tu es venu pour Cesare et Rodrigo. Caterina est une alliée puissante. Un jour, elle nous rendra l'appareil si nous lui venons en aide. Peut-être. Mais occupe-toi d'abord de Cesare et Rodrigo. Oublie le pape, c'est moi que tu sers. Rome est le pilier sur lequel repose notre stratégie. Il est solide. Tu dois l'être toi aussi. Oui, mais le Vatican... Cette assemblée de vieillards. Continuons de faire semblant, bientôt nous n'aurons plus besoin d'eux. Elle est entre de bonnes mains. Cesare. Lucrezia. J'espère que tu as fait honneur à notre invité. C'est insolente. Il faudrait lui coudre les lèvres. Moi, je les préférerais bien ouvertes. Oh. As-tu parlé au pape des sommes que réclame mon banquier? Il s'est absenté du château. Il faudra nous montrer très persuasif à son retour. Ça ne sera pas difficile. N'est-ce pas? Non. Mais je me sens un peu trop seule ici. Nous ne passons plus jamais de temps ensemble, tous les deux. Tu es bien trop accaparée par tes autres conquêtes. Bientôt, quand je monterai enfin sur le trône d'Italie, je ferai de toi ma reine. Et ta solitude appartiendra au passé. Je meurs d'impatience. Et pas d'incarta dans mon absence. Ouvrez la porte! Le capitaine général part pour Urbino! Buona fortuna, padron Cesare! J'ai bien peur que Machiavelli ne soit déçu. Ouvrez la cellule! Raconte ton voyage à Rome. Cesare t'a fait l'honneur de son carrosse? Tu es pitoyable, Lucrezia. De quoi a-t-il parlé? De ses projets pour Naples? Ça t'a plu? J'ai déjà tout oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire. Ah! Ça te remettra les idées en place. Referme et donne-moi la clé. Cette cruche. Un peu d'eau me soulagerait. Et moi, qui va me soulager, princesse?
Vous avez été si gentil avec moi. Ezio, mon évasion provoquera la colère de Cesare. Heureusement pour nous, il s'est absenté. Existe-t-il une autre clé? Le garde a donné la sienne à Lucrezia. J'ai bien peur que non. Et où est-elle? Ses appartements sont tout en haut du château. Très bien, j'y vais. Surtout, attends-moi ici. Vraiment? Et où veux-tu que j'aille? Je t'aime tant que... je voudrais le crier jusqu'aux cieux. Non. Contente-toi de chuchoter, d'accord? Si Cesare l'apprend, il est capable de tout. Qu'est-ce donc? Il est tard. Je dois répéter. Adieu, mon amour. J'ai entendu toute la conversation, Mia Signora. Je pourrais en témoigner. Bien. Avertis Cesare. Nous verrons comment il réagit quand les rôles sont inversés. Oui, Signora. Il m'aime un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Vas-y, continue. Je ne voulais pas t'interrompre. Ezio Auditore da Firenze. Quel plaisir de rencontrer un personnage aussi illustre. Dommage que Cesare ne soit plus là. Tout cela leur est beaucoup amusé. Je ne suis pas là pour toi, Lucrezia. Libère Caterina et je m'en irai. Impossible. Alors tu ne me laisses pas le choix. Alors, tu es venu sauver la jolie princesse? Sais-tu ce qu'il est advenu des Pazzi une fois ta vengeance assouvie? Ton cher ami Lorenzo les a dépouillés de tous leurs biens et les a jetés en prison. Même ce qui n'était pour rien dans la conjuration. Tu m'as manqué. Vai a farti fottere, Troia. Fidèle à elle-même. Amène-la, je sais où est la clé. Oh, pitoyable. Garde! Garde! On t'a assez entendu! Tu peux marcher? Non. Alors nous passerons par devant. Pourquoi m'aides-tu, Ezio? Forli est tombé, je ne te sers plus à rien. Tu as une famille. Cette famille n'est pas la tienne. Cette nuit, à la villa, je devais solliciter ton appui pour protéger Forli. Est-ce que tu comprends, Ezio? Et la politica. Bien sûr, je comprends. Tu n'as pas de justifié. N'y pense même pas. Si j'ai le goût d'un assassin. Salve. Filio de putana. Que je ne t'y reprenne jamais. Oh. Vite, Ezio. Je vais couvrir tes arrières. Franchis le pont. Rends-toi sur l'île Tibérine. Tu y trouveras Machiavelli. Il doit m'y attendre. Que vas-tu faire? Quelqu'un doit rester ici pour occuper les gardes. Reviens sain et sauf, ou je ne me le pardonnerai jamais. Va! C'est quoi? Que tout le monde retourne au château, vite! Ezio. Où est Machiavelli? Je ne l'ai pas trouvé. J'ai escorté la comtesse jusqu'ici. Caterina. Tu voudrais bien nous dire où tu étais passé? Je cherchais Ezio. Et Cesare et Rodrigo? Cesare est parti avant que je ne puisse l'approcher. Rodrigo n'était même pas au château. C'est étrange. Généralement, Rodrigo y passe tout son temps. Oui, très étrange. Tout ça pour rien. Soit dit sans offense. Je m'en remettrai. Cesare est en route pour Urbino. Il faut mobiliser nos forces. Je pensais que nous allions attaquer au plus tôt. Impossible. Cesare est à la tête d'une vaste armée en Romagne. Vous n'auriez aucune chance. Nous devons agir ici, à Rome. Saper l'influence des Borgia en renforçant la nôtre. Et d'ailleurs, il n'y a pas une seconde à perdre. Volpe,
Va chercher Claudia et Bartolomeo. Machiavelli, retrouve-moi dehors. Prenez soin d'elle. Regarde, les Borgia prennent ce qui appartient au peuple pour asseoir leur pouvoir. Et comment comptes-tu y remédier ? Nous allons le gagner à notre cause. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Pour gagner cette guerre, Machiavelli, il nous faut des soldats loyaux. En recrutant des ennemis de l'État, nous armons ceux qui ont été désarmés par les Borgia. Alors va, recrute nos premiers partisans. On n'échappera pas à la colère des Borgia. Je vous en supplie. Assassin ! La libération de Rome a commencé. Si tu choisis de fuir, alors fais-le maintenant. Mais si tu veux résister, bats-toi à mes côtés, contre les Borgia. J'en ai assez de rester caché dans l'ombre. Je suis avec toi. Alors va chercher Niccolo Machiavelli sur l'île Tibérine. Et nous ferons de toi l'un des nôtres. La vérité éclatera, et leurs mensonges seront dévoilés. Qui est là ? Ezio ! Leonardo ! Je savais que c'était toi qui t'étais introduit au château. C'est bon de te revoir, mon ami. Dans mes bras. Pardonne-moi. Les Borgia ont réquisitionné mes services. En fait, ils ont menacé de me tuer si je refusais. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Des machines de guerre. J'ai fabriqué beaucoup d'armes pour les gardes des Borgia, ainsi que bien d'autres atrocités. Elles sont très bien conçues, Ezio. Regarde, voici les noms des Templiers chargés de la construction. Cesare va équiper toute son armée avec mes créations. Il faut les détruire. Grazie. Je vais me charger des plans et des machines. Mais j'ai des nouvelles plus inquiétantes encore. Ils ont... la pomme. Oui, je sais. Je l'avais remise à Mario. Je suis navré, Ezio. Cesare me l'a confié pour que je l'observe, que je l'étudie. Mais Rodrigo me l'a prise. J'ignore où elle est. Je finirai par la retrouver. Leonardo, j'ai perdu toutes les inventions que tu avais créées grâce au Codex. Je peux toutes les reproduire, je n'oublie jamais un croquis. Mais tu vas devoir me défrayer pour les matériaux. Vraiment ? Tu es donc si mal payé que ça au Vatican ? Très mal. Très très mal. Si nous collaborons, nous ne pouvons pas éveiller le moindre doute. Surtout, surveille bien cette arme. Il faut se tenir prêt à la mettre en sécurité à la moindre alerte, compris ?
monde se portera bien mieux sans toi. Mais où étais-tu ? Nous avons tous nos secrets. J'ai pris la liberté d'instaurer un nouveau système de communication avec nos recrues. Nous enverrons nos ordres par pigeon voyageur. Merci, Machiavelli. Bartolomeo ne pourra se joindre à nous. Les Français intensifient leurs attaques. Claudia ? Ezio ? Voilà. J'ai un plan pour nous débarrasser des Borgia. Allons-nous viser leurs ressources ou les partisans de Cesare ? Mon plan est d'attaquer les deux. S'il est privé de ses fonds, Cesare perdra son armée et reviendra sans ses hommes. Alors dites-moi, d'où vient son argent ? Volpe ? Agostino Chigi prête de l'argent au pape. Mais Cesare a recours à quelqu'un d'autre. Pour l'instant, nous ne connaissons que son surnom, le banquier. Je connais quelqu'un qui lui doit de l'argent. Le sénateur Egidio Troche, un habitué qui ne cesse de se plaindre. Bene, je vais donc suivre cette piste. La route qui mène au château est gardée par des soldats français. Une fois derrière ces murs, Cesare sera intouchable. J'ai bien l'intention de tuer leur général. De cette façon, Bartolomeo n'aura plus qu'à attaquer les Français, et ils abandonneront leur poste sur le pont. Même si ses troupes se retirent, les gardes du pape continueront de surveiller l'entrée. Il y a une porte cachée. Le dernier jouet de Lucrezia, Pietro, en a la clé. Je l'ai vu au château. On se retrouve plus tard. Je vais demander à mes voleurs de localiser ce pauvre Pietro. Buonasera a voi. Mais où vas-tu ? Sans Forli, je ne suis utile à personne. Je vais rejoindre mes enfants, en attendant de récupérer un jour mes terres. J'aimerais que tu restes. Tu es le chef des assassins maintenant. Tu dois les unir, Ezio Auditore. Tu dois reconquérir Rome. Vittoria agli assassini! Vittoria agli assassini. Qu'est-ce que tu veux ? Tu as parlé d'un sénateur endetté. Tu le trouveras au Capitole. Tu n'as pas besoin de moi. Quand j'aurai tué le banquier, tes filles devront porter son argent à nos partisans. Bien. Ouvre l'œil. Trêve de bavardage ! Tu ne l'as pas remboursé ! Faites une exception pour un vieil homme ! Non, le banquier veut son argent. J'aurai bientôt réuni la somme, je le jure. Il est trop tard. Un bon samaritain à Rome ? Je dois être en train de rêver. Sénateur Egidio Troche. Toi aussi, tu veux ton argent, c'est ça ? Je cherche le banquier de Cesare. Ah, Cesare Borgia. Et tu es ? Un ami de la famille. Cesare a de nombreux amis de nos jours. Malheureusement, je n'en fais pas partie. J'ai de l'argent. Ma che meraviglia ! Un homme aussi courageux que généreux. Tu ne pouvais pas te manifester plus tôt ? Il ne faut pas rester ici. Je connais un endroit. Ces maudites lettres. Je n'aurais jamais dû écrire à l'ambassadeur. Cesare va me faire assassiner. Bienvenue dans la demeure de mon frère Francesco. Dieu merci, il est absent. Nous ne nous parlons plus depuis qu'il est au courant pour les lettres. Que voulais-tu déjà ? Le banquier de Cesare. Oui. Pour le rencontrer, il faut de l'argent. Vous devez le rencontrer. Où ? Je ne le saurai qu'une fois sur place. Je rejoins l'un des trois lieux de rendez-vous. Ensuite, ses amis me conduisent jusqu'à lui. J'apporterai la somme que vous lui devez. Sul serio ? Arrête, je t'en prie. Tu vas finir par me rendre optimiste. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies tenu parole. Il y a une condition. Je le savais. Gardez un œil sur ce qui se passe dans cette cité. Allez voir Maria à la Rose Fleurie et communiquez-lui les noms des complices des Borgia. Et ensuite, tu les feras disparaître. Ce pezzo di merda me déteste. Mais il reste mon frère. Va bene, allons-y. Je vous suivrai jusqu'au banquier. Egidio a apporté l'argent. Bien, bien. Le banquier organise une petite soirée. Je vais lui remettre ce versement. Donne-moi ça. Saisissez-le, je reviens. Je ferai mieux de garder un œil sur cet argent.
Est-ce que tout se passe bien là-dedans? Il faut y aller. Luigi, on est en retard. Alors, le compte est bon? Va bene. Tuez-le. Non. T'as de la chance. Luigi a décidé de t'épargner. Donne-moi le coffre, Luigi. Je vais l'apporter au banquier. Tu peux entrer. Ce mois-ci, j'ai fait venir plus de marchandises que les postes. Hé, on peut pas les suivre? Vous retournez en patrouille. Ordre de Cesare. Porca puttana! Cesare? Ici? Luigi a été tué. On a retrouvé son corps au Panthéon. Luigi? Mais il vient d'entrer. Je vous protégerai. C'est un joli coffre que vous avez. Il n'est pas à moi. Mais les bras musclés qui le portent, ils sont à toi. Tu voudrais les toucher? Et que vais-je pouvoir dire au prêtre en confession? Voici votre argent. Donnez-moi ça. Et ceci. Vous pouvez disposer. Ça alors, mais où est passée ma bourse? Honoratissima. Bienvenue à ma réception. Je suis Juan Borgia. Cesare va parler dans la grande salle, Eccellenza. Viens. Quelle meilleure façon de célébrer mes victoires que de tous nous unir dans la fraternité, mes amis. Oui, je vous annonce que bientôt, l'unité de l'Italie sera enfin une réalité. Alors, nous la célébrerons en festoyant pendant 40 jours et 40 nuits. Cominciamo ora! Il n'a jamais été question de conquérir l'Italie. Mais votre jeune et brillant capitaine général vous soutient le contraire. Pourquoi ne pas le laisser faire? Tu risquerais de bouleverser le fragile équilibre que nous avons eu tant de mal à instaurer. Je vous suis infiniment reconnaissant, mais en tant que chef des armées, c'est moi qui prends les décisions. Faites pas cette tête. Amusez-vous. Que j'ai vu, senti et touché. Je ne regrette aucun des moments que j'ai vécu. Un homme de pouvoir doit savoir se détourner des plaisirs futiles. Mais j'ai donné au peuple ce qu'il réclamait. Et maintenant tu en paies le prix. Nul ne peut jouir éternellement de plaisirs qu'il n'a pas mérités. Requiescat in pace. Où sont Claudia et Maria? Nous sommes revenus avec l'argent. Ils nous ont suivis ici. Quoi? Je vois que ma petite sœur s'est jouée du couteau. Et je suis prête à recommencer. Des paroles dignes d'une auditore. Il était temps que vous reveniez tous les deux à la raison. Il était temps. Qui va là? Bianca, quel accueil. Ezio! C'est ma femme que j'attendais. Te connaissant, je ne suis pas surpris. Ces charognes de Francese nous mènent la vie dure. Parle-moi de leur général, le baron de Valois. Cesare a persuadé le roi de France de lui confier une armée entière pour me vaincre. Plutôt flatteur. Où puis-je le trouver? La défaite de cette mauviette de Valois n'est plus qu'une question de temps. Nous avons pris l'avantage. On dirait qu'il se rapproche. Je maîtrise parfaitement la situation. Fermez les portes! Bon, on a parfois besoin d'un peu d'aide. Bonjour, général Dalviano.
Êtes-vous prêt à vous rendre? Rapproche-toi un peu, j'ai mal compris! Eh bien, en voilà des manières, mon ami. Mais voyez-vous, je n'en attendais pas moins du barbare que vous êtes. Viens m'apprendre le raffinement! En échange, je t'apprendrai à te battre! Tu en as sacrément besoin, on dirait! Ces joutes verbales sont fort amusantes. Mais vous allez vous rendre sans condition et avant le lever du soleil. Bien! Dame Bianca va te murmurer ma réponse à l'oreille. J'ai bien peur qu'une autre dame chère à votre cœur n'apprécie guère. Mon mari va vous massacrer jusqu'au dernier! Je vais te tuer! Faut tout au francese! Du calme, pensez à votre femme. Vous m'avez bien compris. Je vous veux dans mon camp, sans armes, à l'aube. Vous allez devoir vous habituer aux Français. Voyez-vous, toute l'Italie sera bientôt à notre botte. Tu vas avoir, pezzo di merda, figlio di puttana! Tu captures ma femme et tu te caches derrière les murs d'une forteresse? Je vais te dire, tu n'as rien entre les jambes. Ou plutôt si, un trou béant, si profond qu'il mène directement au maledetto inferno! À quoi bon nous sacrifier? Nous allons nous rassembler et forcer les portes, comme à l'arsenal! Il y a plus de Français derrière ces portes que dans les rues de Paris. Alors nous grimpons sur les remparts. Impossible d'escalader. Pantasilea saurait quoi faire, elle. Cette fois, c'est sans espoir. Je reviendrai chargé de cadeaux pour supplier ce sale lâche d'épargner sa vie. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Qu'est-ce que j'ai dit? Rassemble tes hommes dans les baraquements, je vais vous expliquer. J'espère juste que ton idée est bonne. Repliez-vous! Alors, quel est ton plan? Une fois entrés, tes hommes pourront neutraliser les patrouilles du camp, pas vrai? Oui, mais... Et ce serait encore plus facile si nous les prenions par surprise. Ma certo! Nous allons dérober des armures aux soldats français. Et demain, dès l'aube, ils nous laisseront entrer. Ezio Auditore! Voilà un homme qui sait faire vibrer mon cœur. Magnifique! Je m'occuperai des armures. Mes hommes les récupéreront sur les morts, puis nous partirons du nord pour ne pas attirer l'attention sur nous. Et Ezio, essaie de les tuer sans te faire repérer. Leurs armures doivent rester en bon état. Donne-moi une de ces misérables armures. Toi, tu n'en auras pas besoin. Quoi? Ça fait partie du plan. Tu es notre prisonnier, et nous te conduisons au baron. Je vois. Et après? Tes hommes attaqueront à mon signal. Bene. Maintenant, va te changer. Le jour va se lever. Allez, allez, en formation! Que venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron. Il veut se rendre. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon, ouvrez! Quel acteur! J'ai connu quelques actrices à Florence. Général Dalviano. Vous avez entendu la voix de la raison. Ça suffit, sale lâche! Relâche ma femme! Une telle arrogance est tout à fait déplacée venant d'un homme de si petite naissance. Ma famille est plus noble que la tienne! Ton nom, lui, ne représente rien! Comment osez-vous? Tu penses qu'être à la tête d'une armée te confère la noblesse? La noblesse, on l'acquiert en luttant aux côtés de ses hommes! Pas en enlevant une femme pour fausser l'issue d'un combat! Montre que t'en as dans le pantalon et relâche ma femme! Ces sauvages sont irrécupérables.
Ezio, tu dois sauver ma femme! Passe par les toits! Je vais rester vigilant. Où est-ce qu'il est passé? Je voulais qu'on me respecte, rien de plus. Le respect se gagne. On n'en hérite pas ni ne l'achète. Tu as sûrement raison. Oh, si j'avais su. Puisse la mort t'apporter la sérénité. Requiescat in pace. Ne me laisse plus jamais seul. Je ne suis rien sans toi. Vraiment? Tu viens pourtant de me sauver? C'est grâce au plan conçu par Ezio. Pas du tout. L'idée venait de ton mari. Ah bon? Toi, tu es mon prince. Je vais devoir mériter ce titre. N'en doute pas. Merci. Buongiorno, Ezio. Le moment est venu de rendre visite au soupirant de Lucrezia, Pietro. Mes hommes sont déjà à sa recherche. Molto bene. Ezio, écoute-moi. Qu'y a-t-il? Je sais que quelqu'un a prévenu Rodrigo de rester à l'écart du château. Machiavelli? En as-tu la preuve? Non. Ne laissons pas de vulgaires soupçons nous diviser. Les Borgia! Ils savent où se trouvent nos espions. Qui a parlé? Maestro Machiavelli nous a demandé si nous avions retrouvé Pietro. Ezio. J'ai vraiment du mal à croire que Machiavelli soit un traître. D'abord l'attaque de la villa, puis le château, et maintenant ça, c'est forcément lui. Aspetta. Oh. Maintenant, il doit pas s'enfuir. Andiamo. Dis-moi ce que tu as trouvé. Pietro sera assassiné ce soir. Cesare a envoyé son exécuteur. Micheletto, le meilleur tueur de Rome. Personne ne lui échappe. Jusqu'à ce soir. Allez. As-tu appris quelque chose sur Pietro? L'homme que tu recherches est un acteur de théâtre. Il doit se produire dans une pièce ce soir. Qu'as-tu appris au sujet de Pietro? Il sera suspendu à une croix. Micheletto va le transpercer avec une lance. Où est Pietro? Je ne le sais pas. Mais Micheletto attend à la porte de la cité, à l'est des thermes de Trajan. Ses hommes vont se déguiser pour que la mort de Pietro ressemble à un accident. Il me conduira à l'amant de Lucrezia. Ezio, Machiavelli nous a trahis. Je souhaiterais croire le contraire, mais le doute n'est plus permis. Tu n'as plus le choix, supprime-le. Si tu refuses, je m'en charge. Si Volpe ne m'aide pas, je vais devoir compter sur mes nouvelles recrues. Pitié, je n'ai rien fait. Francesco Trocche,
mon ami. Pourquoi mentirais-je? Tu as révélé mes projets pour la Romagne à ton très cher frère, qui s'est empressé d'avertir l'ambassadeur de Venise. Je ne pensais pas à mal. Je suis votre serviteur et votre allié. Alors tu me demandes de fermer les yeux sur ta trahison au nom de notre amitié. Ayez pitié, je vous en conjure. Pour réunifier l'Italie, je dois impérativement contrôler toutes les institutions. Et si l'Église ne se plie pas à ma volonté, je n'hésiterai pas à la faire disparaître. C'est vous et vous seul que je sers, pas le pape. Oh, vraiment, Troque. J'ai bien peur qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'en être tout à fait certain. Vous allez me tuer, moi, votre fidèle allié? Bien sûr que non. Vous me laissez partir? Merci, Cesare. Vous ne le regretterez pas. Garde! Donnez à Micheletto les costumes de la pièce. Lucrezia est à moi. Personne ne la touchera. Assure-toi bien qu'il ne survive pas. À vos ordres, Cesare. J'oubliais. Jetez le corps de Francesco dans le Tibre. Dès que tu es déguisé, tu me suis à l'amphithéâtre. Capito, tieni. Dès que tu es déguisé, tu me suis à l'amphithéâtre. Capito, tiens, ça c'est pour toi. Il Colosseo. Je cherche Pietro. Il est sur scène, signore. Un de mes hommes va vous conduire à lui. N'oubliez pas, j'aurai un pourpoint noir. Protégez-moi et attendez que Pilate s'adresse au centurion pour agir. Il faut que je trouve Pietro avant lui. Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi? Oui, pourquoi m'as-tu ainsi abandonné? Merde! Quelle est la croix de Pietro? Écoutez! Mais écoutez le don imploré Élie de venir le sauver! Attendons encore un peu et nous verrons bien si Élie ose venir à ton secours. J'ai grand soif! Oui, j'ai grand soif! Oui, seulement, point, tu ne boiras. Peut-être verrai-je ce qui est. Seigneur, dis-le-nous, je t'en conjure. D'où nous vient cette eau? Hélas, hélas, pauvre de moi. Mais qu'ai-je donc fait? Car à la vérité, l'homme que je vois, me faut-il vraiment le tuer? Non. Je dois monter sur scène. Si ce centurion ici même me dit qu'il est mort, je ne m'y opposerai pas. Centurion, Jésus est-il mort? Tu ne peux pas sauver Pietro. Le vin qu'il a bu était empoisonné. Comme je l'ai promis à Cesare. Je n'ai rien laissé au hasard. Je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas venu te tuer. Celui qui fait tout pour faciliter l'accaparement du pouvoir finit par causer sa propre perte. Libérez-le! Nous n'avons pas répété cette scène!
Retenez les gardes. On l'a empoisonné. Ce teint... Cantarella. Buvez ça. Vite! Laissez-lui un moment. Je me sens un peu mieux. Eh bien, les sangsues vont le remettre sur pied. Je ne sais comment vous remercier, je... Donne-moi la clé du château Saint-Ange. Vite. Mais de quoi parlez-vous? Je ne suis qu'un pauvre acteur. Cesare, c'est tout pour toi et Lucrezia. Tenez. Un momento! Je t'ai vu à la Villa Auditore pendant l'attaque! Avez-vous besoin d'une assistance médicale? Pourquoi t'es-tu enfui? Je... C'est toi le traître! Pas Machiavelli. Longue vie au Borgia! Ah! Merde. J'avais raison. Je dois trouver la Volpe avant qu'il ne tue Machiavelli. Je sais qui est le traître. Quoi? Un de nos hommes. Il était à la villa. Regarde, il avait cette lettre. Dio mio. C'est une bonne nouvelle? Plus que tu ne crois. J'ai une nouvelle dette envers toi, Ezio. Entre deux amis qui s'estiment, les dettes n'ont pas lieu d'être. Ouais. Merci de m'avoir transmis le message à temps. Bien, Niccolo. Il y a longtemps que nous n'avons pas bavardé. J'ai appris que la passion jouée au Colisée a eu un final inattendu. Ah bon? Apparemment, Jésus-Christ a... ressuscité avec 3 jours d'avance. Desmond, en étudiant les codes à 5 chiffres récupérés à la fin des fichiers du sujet 16, j'ai remarqué une coïncidence troublante. Les codes correspondent très exactement à des coordonnées à l'intérieur de l'animus. J'ai marqué l'emplacement des monuments qui se trouvent à ces coordonnées en utilisant des icônes en forme d'œil. Je doute que tu trouves quoi que ce soit sur place, mais on ne sait jamais. Je ne sais pas si tu cherches un indice laissé par 16, mais la dernière fois, ça a plutôt bien marché avec la vision d'aigle. On t'avait complètement perdu. T'étais où? J'en sais rien. Dans un résidu de souvenirs? Tu devrais faire une pause. Je vais bien. Je veux continuer. Chargement. Il y a quelqu'un. Allô? Allô? Chargement. Zone de quarantaine. Le jeu en ligne permet à beaucoup de fuir la réalité. Mais nous devons nous assurer que ces mondes virtuels ne deviennent pas des utopies. Les joueurs ne doivent pas s'interroger sur leur manque de réussite dans le vrai monde. C'est bien compris? Quarantaine levée. Des animus. Ils s'étendent à perte de vue. Quel spectacle grandiose! Du moins d'où je me trouve. Mais je m'égare. Nos brillants ingénieurs ont tous travaillé d'arrache-pied pour créer ce complexe à la pointe de la technologie et y développer le plus ambitieux de tous nos projets. Nous avons transféré l'ADN de dizaines de nos plus remarquables sujets et distillé l'essence même de leurs formidables capacités. Si vous vous trouvez parmi nous aujourd'hui, c'est uniquement grâce à vos états de service et à votre loyauté. Je crois qu'il est grand temps pour vous de passer au niveau supérieur. Votre première fois dans l'Animus vous semblera déroutante. Certains vont paniquer. Pour survivre, concentrez-vous sur votre programme d'entraînement. Certains travailleront en équipe pour protéger ou désynchroniser un VIP. Mais le plus souvent, vous serez seul.
Vous devez vous préparer à remplir des contrats d'assassinat tout en étant pris pour cible par d'autres concurrents. C'est la meilleure manière de vous évaluer. Quand vous serez dans ces machines et que le transfert sera terminé, vous bénéficierez des capacités qui vous permettront d'en finir avec l'Ordre des Assassins et de mettre un point final à cette guerre. Des questions ? Bien. Commençons. Chargement. Je sais que tu es là. Je veux rentrer. À la maison. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas ici, dans le noir. Chargement. Gare-toi. Gary, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je te parle. Tu sais, ces documents de la CIA pour mon prochain bouquin. Sur les grandes compagnies ? C'est encore pire que ce que je pensais. Bilderberg n'est qu'une diversion. Je vais te donner un nom. Abstergo. J'en ai jamais entendu parler. C'est une société fantôme. Ils ne sont enregistrés nulle part, même pas cotés en bourse. Rien à se reprocher. Mais tous les membres ont des parts dans des sociétés étrangères. Coca-Cola, Kraft, l'industrie pharmaceutique, Détroit, Wall Street. Toutes sont liées de près ou de loin à Abstergo. Et alors ? Ils ne sont pas loin de diriger le monde. Ils ont même des types à eux dans le gouvernement, tu te rends compte ? Écoute, il fallait que j'en parle à quelqu'un. Jusqu'ici, je n'ai rien dit à personne. Mais je peux plus garder ça pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais finir ce livre. Je vais tout balancer. Bientôt, le monde entier saura ce qui se passe. Système de contrôle du véhicule désactivé. Allô, D ? Prévenez le quartier général qu'il y a un imprévu. Rien de bien grave, mais nous allons avoir besoin de quelqu'un pour régler un petit problème de sécurité. Parfait. Félicitations pour votre promotion. C'est du bon boulot. Chargement. Centre de raisonnement activé. Je comprends. Je comprends ce que je dois faire. Pourquoi je suis ici ? Je dois... Centre de mémoire long terme activé. Non. Non. Arrêtez. Arrêtez. Tuez-moi. Chargement. Si vous écoutez cette bande, c'est que j'ai quitté ce monde. Et que je vous ai cédé cette formidable entreprise, Abstergo, qui représente le grand espoir de l'humanité. Ne faites pas confiance à ceux qui vous conseillent dans votre entourage. Leurs préoccupations sont superficielles. Ils sont bien trop attachés à leur mode de vie. Nous avons créé le capitalisme, mais nous ne sommes pas des capitalistes. Notre cause est noble. Le système de contrôle que nous avons mis en place grâce à l'argent est loin d'être infaillible. Il n'est qu'un moyen de panser une blessure à laquelle nous avons consacré toute notre vie. Les habitants de ce monde ne savent plus quoi penser. Ils se sentent perdus et incapables de produire quoi que ce soit de façon autonome. Sans nous, ils ne seraient rien de plus que des animaux, les esclaves de ceux qui étaient là avant, qui n'ont pas mérité une telle responsabilité. Nous les avons sauvés. L'auriez-vous oublié ? Ben, assez parlé du passé. Je dois vous mettre en garde. Une grave crise se profile. Tous ceux qui vous entourent nieront l'évidence, mais bientôt nous serons dans l'incapacité de créer de nouveaux marchés. Les populations n'écouteront plus nos économistes. Elles ne seront plus sensibles au divertissement que nous leur proposons. La fin de l'économie de marché se retournera contre nous. C'est pourquoi il ne faut pas attendre. Jusqu'ici, vous avez vu ce que seuls les grands maîtres de notre ordre ont vu. Désormais, vous connaissez la raison d'être d'Abstergo et pourquoi tout ceci était nécessaire. Et vous savez maintenant ce qui vous reste à faire. Vous devez aller jusqu'au bout. Nous les libérerons de la peur, de la pornographie, de ces besoins primaires répugnants, et aussi de la démocratie. Un jour, l'humanité nous remerciera. In hoc signo vinces. Chargement. J'essaie de me débarrasser. Je m'en suis débarrassé, mais rien n'y fait. Le moment est presque venu, Desmond Miles. Je sais comment ouvrir le chemin. Bientôt, ma raison d'être sera révélée. Bientôt, je ne serai plus seul. Chargement. Il n'y a rien ici. C'est bizarre. Je vois une grande quantité de données. Le miracle est dans l'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en ai pas la moindre idée. C'est son côté nihiliste, peut-être.
Ils se moquent de nous. À moins que... Ce soit pas une vidéo. Attends. Lance-le dès que tu es prêt. Compilation des sous-systèmes. Infrastructure. Tendon. Cœur. Voix. Sujet 16. Oui. Oui. Enchanté, sujet 17. Tu es mort. J'ai vu ton sang. Le temps presse. Beaucoup plus que tu ne le crois. Il est trop tard pour les sauver. Qui ? Elle n'est pas celle que tu crois. Tout ce que tu espères devenir, tout ce que tu chéris, ça n'existe plus. Explique-moi. Je t'en prie. L'Éden. Elle... Dans l'Éden, trouve Ève. La clé. Son ADN. Continue. Impossible. Le soleil. Ton fils. Trop faible, il... Faudrait... Plus d'énergie. Attends! Je serai avec toi jusqu'au bout. Retrouve-moi dans les ténèbres. Oh, tu vas bien. Tu nous as fait une de ces peurs. Ça va. Je crois que j'ai vu 16. Ne te relève pas trop vite. Je sais pas si c'était réel, on aurait dit un rêve. J'ignore ce que c'était, mais c'est plus là. L'animus réagit normalement. Fais une petite pause avant d'y retourner, d'accord? On dirait que cette mémoire endommagée fonctionne mieux. C'est incroyable. La séquence se répare toute seule. C'est comme si on t'aidait à guérir d'un traumatisme psychique. Alors, quand tout sera fini, je serai quelqu'un d'équilibré ? Ah là, j'en sais rien. Mais l'idée me plaît bien. En fait, tu dis ça parce que tu te sens coupable de lui griller le cerveau. Tu devais pas laver les chiottes, toi ? Ouais. La solidarité féminine. Communiste. Combien de temps avant le lancement du satellite des Templiers ? On est le 8 octobre. Ce qui nous laisse... 74 jours. Plutôt court. Pense à tout ce que tu as accompli en un mois. 74 jours, c'est plutôt long. Ok, on attend plus que toi. Volpe, quelle nouvelle de Rome ? Tout se passe bien. Les Français et les troupes du pape sont en déroute. Alors l'heure est venue. Rassemble les assassins. Et fais venir Claudia. Maintenant ? Oui. La Shahaya Wahak, Boutlak Balek Kulun Mumkin. Ces mots expriment toute la sagesse de notre credo. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Claudia, nous consacrons tous nos vies à défendre la liberté de l'humanité. Mario, notre père, et notre frère se tenaient autour de ce feu pour combattre les ténèbres. Aujourd'hui, ce même choix s'offre à toi. Sois des nôtres. À de multiples occasions, nous avons été en désaccord, toi et moi. Niccolo. Mais je reconnais que notre ordre avait besoin d'un homme comme toi. Tu as mené le combat contre les Templiers et reconstruit notre confrérie. Maintenant, Ezio doit occuper la place qui lui revient, celle de chef de tous les assassins. Ezio Auditore da Firenze. Dorénavant, nous t'appellerons il Mentore, le gardien de notre ordre et de nos secrets. Quand les hommes suivent la vérité aveuglément, rappelle-toi que rien n'est vrai. Quand la morale ou la loi bâillonne l'esprit des hommes, rappelle-toi que tout est permis. Pourquoi ce revirement soudain ? J'ai toujours été à tes côtés. Vois-tu, c'est moi qui t'ai fait venir à Rome. C'est moi qui ai fait diversion pour t'aider à t'enfuir du château. Et les mercenaires qui ont protégé tes arrières au Colisée, c'est encore moi. Tu l'ignorais, voilà tout. Maestro Machiavelli,
Cesare est revenu à Rome, seul. Il se dirige vers le château Saint-Ange. Grazie. Alors ? Cette décision t'appartient, Ezio. Niccolo, tu dois continuer à me prodiguer tes conseils. Sinon, à quoi me servirait un compagnon aussi avisé que toi ? Achève-les, Mentore. Qu'on en finisse enfin. Bon conseil. Un jour, j'ai l'intention d'écrire un livre sur toi. Fais en sorte qu'il soit court. J'exige de voir le pape! Sa sainteté vous attend tout en haut du château, dans ses appartements. Hors de mon chemin! Je ne comprends pas. Hier soir, j'ai demandé à ce qu'on me livre de la Cantarelle. Je suis affreusement désolé, mia signora, mais le pape a tout pris. Où est le pape ? Il est avec Cesare. C'est étrange. Il ne m'a pas dit que Cesare était revenu. Je veux une explication! Je ne vois pas de quoi tu parles. Mes fonds! Mes troupes! Plus rien! Nous avons tous des difficultés financières, avec ou sans armée. Est-ce que vous comptez me donner de l'argent? Non, pas du tout. J'utiliserai le fragment d'Éden pour parvenir à mes fins. Et je n'aurai plus besoin de votre aide! Ça, il me semble l'avoir très bien compris. As-tu appris que le baron de Valois a trouvé la mort ? Non. Vous ne... Pourquoi aurais-je donc voulu ordonner sa mort ? Aurait-il comploté contre moi avec mon brillant et perfide capitaine général ? J'en ai déjà assez entendu. Ce sont les assassins qui l'ont tué. Vous auriez dû les en empêcher ! De quelle manière ? Ce n'était pas ma décision d'attaquer Monteligione, mais la tienne ! Il serait grand temps que tu assumes la responsabilité de tes actes. Non, de mes exploits. Ce que j'accomplis, malgré l'ingérence d'incapables tels que vous. Désolé, tu n'iras nulle part. Le fragment d'Éden est à moi. Écarte-toi de mon chemin, vieil homme. Je t'ai pourtant tout donné, mais tu n'en as jamais assez. Cesare, notre père veut t'empoisonner. Tu ne voulais pas entendre raison. Père, êtes-vous aveugle ? Je contrôle absolument tout ici. Si je veux vivre, je vis. Et tout ce que je veux, je le prends. Et si je veux vous tuer, je vous tue. Où est le fragment d'Éden ? Arrête ! Je sais où il est ! Pourquoi tu m'as caché qu'il l'avait dérobé ? Cesare, c'est moi, ta reine. Tu es ma sœur, rien de plus. Où est-il ? Tu ne m'as jamais aimé ? Où est la pomme ? Parle !
Requiescat in pace. Je sais. Je sais où va ce maudit chien. Saint-Pierre. L'édifice dans la cour. Merci. Assassino! Cazzo! Je m'occuperai de toi plus tard! Arrêtez! Que tu cherches? C'est terminé, assassino! L'heure est venue de périr par mon épée. Oh! Garde! Rodrigo Borgia est mort. Et Cesare? Empoisonné, mais vivant. Il ne faut pas le laisser rassembler ce qui lui reste de partisans. Les semaines à venir seront cruciales. Grâce à vous tous, je vais le traquer. Je vais envoyer mes hommes, mais c'est une armée qu'il faudrait. Voilà notre armée. Vous devez les trouver. Ils sont partout et nulle part à la fois. Toutes ces complications ne m'intéressent pas. Seuls nous échouerons, signore. Il faut nous aider. Je suis malade, idioti. Micheletto sera bientôt là avec mon armée. Et là, vous allez voir comment on éradique ces maudits assassins. Tu te berces d'illusions, Cesare. Garde! Un cardinal a finalement confessé que Cesare prévoit de retrouver les partisans des Templiers en pleine campagne. Le cardinal devrait le rejoindre ce soir. Je vais le suivre. Joignez-vous à moi et je reprendrai Rome. Nous avons préféré élire Della Rovere au trône pontifical. C'est ainsi. J'ai pourtant payé pour votre nomination. Rome n'est plus exactement la cité qu'elle fut jadis. L'argent des Borgia est une souillure. Vous le regretterez amèrement. Assassino! Courez! Tes sbires t'avaient promis leur sang. Mais dès que tu as besoin d'eux, ils te trahissent! Garde! C'est un homme effrayant! C'est une grande noblesse! Et je le pense vraiment! Mes hommes m'ont appris que Cesare et ses meilleurs soldats sont massés devant la grande porte de Rome. Rassemblez les assassins.
Nous allons les affronter. Toute l'Italie sera unie sous ma bannière, et vous tous régnerez à mes côtés. Vous venez me voir triompher. Micheletto sera bientôt là avec son armée. Mais vous serez mort bien avant. Insieme per la vittoria! Vittoria per la Sicilia! Bientôt, tu paraîtras grand Dieu! Et je... Ton oncle a osé résister. Tu subiras le même sort. Dépose les armes, Cesare Borgia. Les troupes de Micheletto se massent derrière moi. Nous allons enfin reprendre possession de ma cité. Cette cité n'est plus la tienne. Par ordre du souverain pontife, Jules II, je vous arrête, Cesare Borgia. Vous êtes accusé de meurtre, trahison et inceste. Non, 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 ça ne peut pas finir ainsi. Je me libérerai de mes chaînes. Je ne périrai pas de la main d'un homme. C'était plutôt sa façon de le dire. Je me libérerai de mes chaînes. Si cela t'inquiète, il y a un moyen de vérifier. Non, elle est trop dangereuse. Nous devons la cacher hors de portée des hommes. Quel dommage. Un tel chef-d'œuvre soustrait au regard du monde. Il le faut. Et s'il pensait vraiment ce qu'il a dit? Le risque est trop grand. Cesare avait raison, je dois partir. Tu abandonnes tes amis? Cette confrérie va perdurer. Avec ou sans moi. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Semer une graine. Tiens, pour toi. Puisque tu nous quittes, garde ton argent. Je n'en veux pas. Nous nous reverrons un jour, je te le promets. Buona fortuna, mon vieil ami. Et prends cet argent. Avec ce qu'il te paie, tu n'as pas le choix. Maintenant que je n'ai plus de mécène. Comment m'as-tu trouvé? La pomme que tu as volée à Mario Auditore m'a conduit ici. Tuez-le! Tuez l'assassin! Réglez son compte à ce maldito bastardo! J'irai bien plus vite à cheval. Por favor. No.
Là-bas! Tu es prisonnier des murs! Tu ne peux pas t'échapper! Alors viens, Ezio! Je suis invincible! La fortune est de mon côté! Je ne coûterai jamais à la défaite! Désirer ne suffit pas. Il faut se montrer digne. Qu'est-ce que tu en sais ? Gouverner le peuple, c'est d'abord agir pour son bien. Je conduirai l'humanité dans une ère nouvelle. Puisse-t-elle oublier ton nom pour l'éternité ? Requiescat in pace. Tu ne peux pas me tuer. Aucun homme en ce monde n'en est capable. Alors je te laisse entre les mains du destin. Le trône m'était promis. Qu'est-ce que tu en sais ? Je conduirai l'humanité dans une ère nouvelle. Tu ne peux pas me tuer. Aucun homme en ce monde n'en est capable. Le voilà. Le Colisée. Allons-y. Nous y serons avant l'aube. Attendez, cette porte avait l'air bizarre. Je crois pas avoir vu de poignée. Je vais lancer une analyse. Ah, génial. Il va falloir qu'on trouve une sorte de clé futuriste. C'est étrange, on dirait qu'elle s'ouvre avec une sorte de commande vocale. J'avais encore jamais vu ça. Alors il nous faut un mot de passe? Et cette sifflée, la cinquième de Beethoven. Saloperie de réseau européen. Oh, on peut plus accéder aux souvenirs d'Ezio pour trouver le mot de passe. Il faut qu'on trouve ce mot de passe. Ezio le connaissait, lui. Pas de chance, il est mort. Je n'y crois pas, on est coincé ici. Hé, hey, ça a peut-être un rapport avec ça ! Le symbole, c'est celui de la porte du sanctuaire. 1419, 1420, 1421. Et si c'était pas des dates ? 1419, 1420 ? Dieu Tout-Puissant ! Quoi ? C'est ça ! Vas-y, accouche ! Du calme, oui, j'y viens !
C'est le tétragramme, les 72 noms de Dieu. Vous voyez ? Ils sont contenus dans trois versets, Exode 19 à Exode 21. Et il y a mieux que ça, si on inscrit les quatre lettres hébraïques du nom de Dieu dans un triangle équilatéral, la somme de leurs valeurs numériques donne toujours le même nombre, 72. Attends, t'en es sûr à 100%? Si je n'en étais pas sûr, je garderais ça pour moi, Rebecca. Mais attendez, la cerise sur le gâteau. La construction du Colisée a débuté en l'an 72. On l'a, notre mot de passe. Sean, ramène le camion. Je suis déjà venu. Je sais. Allons-y. Et nous alors ? Vous risquez d'avoir besoin d'un historien là-dedans. Sean a raison. Ce tunnel va nous conduire sous le Capitole. Je vais les aider à trouver une autre entrée. Sois prudent, Desmond. Je conduis. Ah, oui, c'est ça. Tu rêves. Lucie, je continue d'avancer vers l'entrée. C'est compris. Si jamais tu croises des gladiateurs, un bon conseil, sauve-toi. Merci du conseil. C'est incroyable, dire que j'aurai bientôt la pomme. Tu attends ça depuis si longtemps. Tu l'as mérité. Je me demande ce que ça va changer. Ça nous permettra vraiment de prendre l'avantage ? Ça, j'en suis sûr. Et qu'est-ce qu'on va trouver ? La carte qui nous mènera au temple. Et c'est la pomme qui va nous faire ce cadeau. Hein ? C'est ça. Moi, je ne crois plus au Père Noël. Peut-être qu'on aura de la chance cette fois. Toutes ces constructions. C'est un vrai labyrinthe. Autrefois, l'hypogée abritait les cages des gladiateurs et les machines qui les amenaient à la surface. Ce qui veut dire qu'à l'origine, il y avait une arène juste au-dessus de ta tête. C'est bon à savoir. Il y a un truc qui me chiffonne. On est le 10 octobre aujourd'hui. Oh. Et ? Encore combien de jours avant le lancement du satellite des Templiers ? Je crois bien que je connais la réponse. 72. Pourquoi ce jour est si important ? On récupère la pomme et on s'en va. C'est le code de la porte. Décidément, quelqu'un nous facilite la tâche. Ouais, c'est clair. Nous confions à ces lieux l'épilogue de notre histoire. Que seuls ceux qui en sont dignes puissent le connaître. Qu'ils y soient guidés. Que leur chemin les conduise ici. Que cette découverte sauve le monde que nous leur laissons. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe, Desmond ? Rien. Nos vérités étaient confiées à des parchemins, à la pierre, à la mémoire des hommes. Mais ces choses-là sont éphémères, purifiées par le feu, purifiées par la famine, purifiées par le déluge. Le monde a retrouvé son innocence. Son innocence et son ignorance. Okay.
J'arrive. Bah, c'est pas trop tôt. Quel est cet endroit ? À Santa Maria da Racoeli. Vous voyez ces colonnes dans les allées ? Elles viennent de ruines romaines. D'après ce que j'ai lu, cette église aurait été construite sur l'ancien temple de Junon. Sympa, le plafond. Tu aimes le plafond. On ne s'ennuie jamais quand on voyage avec toi. Il y a quelque chose là-haut. Bon ben, on n'a plus qu'à rester ici. Et puis, se mettre à prier. De la sagesse. Même imparfait, il représente notre dernier espoir. Vous l'êtes. Vous seul pouvez comprendre. Mais vous avez brisé nos outils. Vous en avez fait des armes. Nous avons détruit tout ce que nous pouvions. Le reste, nous avons détruit. Ça s'est ouvert! Et il en faut si peu pour comprendre le monde. Ce lieu est un sanctuaire éternel pour les objets, les mots, la sagesse. Mais ça n'abrite pas la vie. Nous étions pourtant près du but. Mais le temps nous affaiblit. Nous pouvons l'éloigner, voir au-delà de ses limites. Nous soustraire brièvement à son emprise, mais celle-ci est trop forte. Son énergie est infinie. Nous ne pouvons échapper à son étreinte. C'est impossible. C'est ici. Tiens, tiens. Ça, c'était pas sur les plans. Desmond, reviens ici! J'arrive. Quoi que ce soit, ce truc ne sert à rien. C'est une impasse. Je ne sais pas si... Tu as l'intention de nous tuer, il va falloir te montrer un peu plus efficace. On est là. Maintenant, le mot de passe. J'espère que Sean ne s'est pas planté. Je ne me plante jamais. Ah ouais? Et cette impasse? Quelle impasse? Je ne me rappelle pas. Cette porte comprend notre langue ? Allez, vas-y ! Ok. 72. Après toi. Vraiment que vous voyez ça. C'est à peine croyable. Waouh.
Alors là, vraiment, je suis bluffé. Apparemment, la pomme est au centre. On va enfin savoir où sont les temples. Si tu les actionnes toutes, ça alimentera peut-être la plateforme principale. Ou bien ça transformera cette salle en vaisseau spatial et nous partirons loin d'ici. Réfléchis bien. Si je vous parlais pendant 100 ans, vous ne sauriez rien de nous. Vous avez 5 sens. Et nous 6. Celui dont nous vous avons privé, pour vous protéger, vous ne saurez jamais. Malgré vos tentatives, vous pouvez voir, sentir, goûter, toucher, entendre. La vérité est hors de portée. Puis, quand le monde fut perdu, nous avons tenté de le transmettre par le sang, de vous rapprocher de nous. Vous percevez les lueurs bleues, vous entendez les mots, mais le savoir vous échappe. Se contenir. Car nous savons. Nous t'attendons, Desmond. Tu viendras ici. Tu l'activeras. Quand tu comprendras, il sera trop tard. Est-ce que tu as entendu ça ? Quoi, Desmond ? Sont-ils ces temples ? Tu veux que je lui demande ? Essaie de parler par la pensée. T'es sûr d'avoir bien formulé ta demande ? Attendez, je connais ce symbole, c'est le bonnet phrygien. Il représente la liberté. Ça, c'est l'œil de la Providence. On ne les trouve rassemblés qu'à un seul endroit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux plus bouger. Ton ADN communie avec la pomme. Tu viens de l'activer. Laissez-moi ! Au 72e jour avant l'instant suprême de l'éveil, toi, issu de nos entrailles et de celles de nos ennemis, la fin et le commencement, nous te méprisons et t'honorons. L'ultime voyage a commencé. Il en est une qui doit franchir le seuil avec toi, mais elle échappe à notre vue. La croix obscurcit l'horizon. Qu'est-ce que vous faites ? Il est temps d'ouvrir le chemin. Tu ne peux échapper à ta destinée. La balance doit s'équilibrer. Non ! Arrêtez ! Tu ne sais presque rien. Nous devons te guider. Cesse de lutter. Non ! C'est fini. Le chemin s'ouvre juste devant toi. C'est à toi de la trouver maintenant. Recours au sixième sens. Va, seul. Merde, il est en état de choc. Dans la machine, vite. C'est le seul moyen. Après ce que l'Animus lui a fait ? C'est qui l'expert ici ? Allez ! Non,